Hello everyone. Today I will make two recipes. One is karaage. That means Japanese fried chicken. Salut, Zodi, je vous prépare deux recettes. Premier, c'est karaage, qui veut dire poule frite en japonais. Pour marinade, je vous servir sake. We use sake, soy sauce, la sauce soja, de l'huile sésame, zinzam et l'ail. C'est un ingrédient essentiel pour sa recette-là. Je connais les difficiles pour je trouve sake au marché, alors je suis capable de remplacer par rhum ou un autre liqueur. Ça peut donner nos poules un meilleur goût. D'habitude, nous laissons tout mariner la veille. Chaque famille a sa propre recette karaage, avec beaucoup de fierté, mon besoin dire. Et je suis en compétition pour améliorer le goût et la qualité de sa recette-là dans Japon. C'est toujours avec le même plaisir qu'il nous peut montrer de nouvelles recettes et surtout nous peut partager ça un moment privilégié avec Monsieur l'Ambassadeur. It's my great pleasure to show some of Japanese. Pour moi, c'est un grand plaisir pour faire connaître ma recette authentique mon pays. Chicken thigh. Alors pour la recette, nous pouvons bien poulet. Préférence, c'est les hanches parce que il y en a plus goût. Et c'est important aussi qu'il nous retire tous les os. Et nous avons de l'huile sésame, saké, gingembre et la sauce soja. Ça, c'est un ingrédient qui est important dans sa recette-là. Aussi, vous êtes capable de servir sauce tabasco, un peu d'ail, l'ail, piment carré. Ça, poulet-là, il ressemblait un peu à nos poulets croustillants. Donc, nous vous servons un peu la farine pour donner ce côté croustillant. It's not very difficult. Alors, laisse-moi dire qu'il n'y a pas une recette difficile. Tout simplement, je mélange de poule avec son marinade. Premièrement, moi j'ajoute de l'huile sésame. And also, this is a very important ingredient, grated ginger. Il y a un ingrédient important, zinzam râpé, l'ail et la sauce soja. Soy sauce. Is it a common dish in Japan? Oh, very, very common. C'est une recette qui est très populaire. Sake est également un ingrédient indispensable dans sa recette-là. Et Nadimoun content ajoute la sauce tabasco. Elle donne nos plats un goût fort. Alors, ces quatre ingrédients-là sont essentiels. Maintenant, si vous avez envie d'une recette plus de peps, nous allons ajouter un peu de tabasco, un peu de piquant et aussi un petit peu d'ail. Alors, une fois qu'ils nous mélangent tous les ingrédients, nous les laissons poser, ça veut dire mariner. Et voilà, nous avons un poulet qui nous préparait la veille. Et ici, nous laissons égoutter, nous retirons tout ce jus puisque nous passons à la friture. Then I put the flour. Just cover entirely. Alors maintenant, nous ajoutons la farine. C'est la farine ordinaire. Nous pour comment nous dire, enrobe nos poulets dans la farine, hein, pour y ajouter un peu de croustillant. Alors là, nous devons vraiment être généreux. Nous ajoutons beaucoup de la farine. Then just deep fry. Ensuite, nous passons à la friture. This is about 160°. Une température 160 degrés. Il y a un petit peu moins qui température normale. Nos poules pour croustillant à l'extérieur. Les là, nous besoin baisse d'effet pour continuer la cuisson à température réduite. Should we start on a high temperature then lower? No. Or keep it constant? Constant lower. You don't need to start or turn over so often. Il n'est pas nécessaire de tourner ban mo sur poule là. It's already like this. Okay. Et voilà, nos poulets bien croustillants, bien dorés. I think it's ready. Voilà, me penser qui nos poulets karaage in pré, les fines bien dorés et qu'il y a appétissant comment je trouvais.
du poulet sur de l'huile égouttée. Et comme accompagnement, nous pouvons frire piment carré. Et oui, comme au Japon, tout simplement, nous pouvons couper, faire une petite incision pour ne pas éclater pendant la friture. Ça fait nous, pense à Maurice aussi, nous comptons manger piment carré frit. Place à la présentation, puisque nous poulet, même nous garniture est prêt. Et là, comment nous servir ça poulet là, il est très important, puisque c'est friture, nous pouvons placer le papier pour qu'il y absorbe excès de l'huile. Et là, façon plier papier est très important, comme je peux trouver. Ici, nous sommes dans un coin, ça veut dire, vous trouvez un petit triangle là, ça c'est signe du bonheur. Ça veut dire, vous êtes capable de plier ce papier là, dans le moment que je peux célébrer, surtout en famille, avec mes camarades, entre amis. Et puisque nous pouvons bonheur, il y a une autre façon de plier papier aussi, c'est qui signifie la tristesse et par exemple quand il y a une mortalité. Comment nous plier nos papiers absorbants, comment motiver les autres, les importants. Voilà, nous plier là, nous trouvons ici, c'est à l'horizontale. De ce côté-là, nous trouvons une pointe, ça signifie le bonheur. Par contre, ici, nous avons côté horizontal, nous avons une pointe ici, une pointe de ce côté-là, ça signifie la tristesse. Next one is okonomiyaki. Prochaine recette, c'est okonomiyaki, un manger qui pévine populaire dans certains pays comme l'Amérique, dans New York, la France, dans Paris et que les autres pays encore. Main ingredient. Ben, l'ingrédient principal dans sa recette-là, c'est la farine, 10 œufs, l'issou, fruits de mer ou bien la viande. Aujourd'hui, je vais servir la sauce okonomiyaki authentique du Japon. Elle n'est pas vraiment accessible ici dans Maurice. Alors, nous capables remplacer avec un mélange la sauce huître et vinaigre balsamique. Ce goût est presque pareil comme la sauce originale. Là. C'est une recette très simple. Alors, aujourd'hui, nous allons servir le chou qui est coupé en petits morceaux. Nous avons le gingembre qui est très important dans la cuisine japonaise. Nous avons la farine. Nous avons le poireau émincé. Nous avons la crevette. Et il est vraiment très facile à réaliser. Nous avons tout simplement, nous mélangeons tous les ingrédients. Et aujourd'hui, nous pouvons servir crevettes, vous êtes capable d'ajouter poulet, vous êtes capable d'ajouter poisson ou faire uniquement avec légumes. Et ça, c'est la farine ordinaire. Pour agrémenter nos crêpes, nous ajoutons flocons de poisson, salt, du sel. Ensuite, un 10 œufs. Alors, dans sa recette-là, 10 œufs pour faire les vignes plus légers. Add water just as much as just like making pancake. Okay. When it butter becomes the same thickness as the pancake, it's okay. Alors, je bien ajoute de l'eau petit à petit. Je vous trouvez, il n'est pas comme une pancake, une crêpe traditionnelle. Je bien get ce consistance d'abord. Il n'est bien ni trop liquide ni trop épais. I think this is ready now.
Et voilà. Pour la cuisson, il est important qu'il nous ait un poêle non-stick, puisque nous ajoutons très peu d'huile. Alors, une fois que nous préchauffons nos poêlons, nous ajoutons la pâte et nous faisons faire la cuisson sur un feu moyen. Alors ici, nous donnons bien fort une crêpe. Alors là, nous laissons nos crêpes cuire les deux côtés. Now it's ready. I place it on the plate. Maintenant, c'est prêt. Je peux placer loin de l'assiette et je peux agrémenter avec la sauce, feuilles de nori. Je peux ajouter la sauce okonomiyaki qui est montée avec la sauce huître et le vinaigre balsamique. Okonomiyaki sauce is made of oyster sauce and balsamic sauce. Then I put mayonnaise. Et un peu de mayonnaise aussi. C'est mayonnaise japonais. But you can get in any big supermarket. Et ça c'est feuilles de nori, c'est algues en poudre. Et voilà, c'est ici que nous l'émission peut terminer. Ils ont dit nous proposent deux recettes qu'ils sont capables de préparer sans problème. Et sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine.